Il était comment tient. Il dit que le combat ne s'est pas bien déroulé et que le résultat ne reflète pas ce qui s'est passé sur le ring. Pourquoi il dit ça? Il pense qu'il a dominé ce combat? Non, parce que comment gera chegoma ou lui comment gera chegoma nous aille ne tient dominé bon à recouvrir mané sur bon garder bien là c'est bien sûr allez ma coucher ma filmer n'est pas point qu'on a chaga pointé parce que allez ne bon chegomi comment donner là quoi. Bon, lui, il n'a pas reçu de coup, il avait sa garde. Et l'essentiel de ses coups, c'était vraiment sur ses gardes. Donc, même si lui, il n'a pas donné assez de coups, mais ses coups étaient plus précis. Et ça atteignait son adversaire. Bon, alors, néanmoins, quelles sont les leçons qu'il peut tirer de ce combat pour progresser, de sa participation pour progresser. Nous sommes invités à la problème. Maintenant, même préparé la fin de l'année, bon, nous sommes en train de faire une réalité, nous sommes en train de faire une victoire là. Oui. Il dit qu'il est disposé à venir pour les prochaines éditions. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vraiment, il conteste le résultat de ce combat. D'accord. Et quels sont les points forts que lui-même il reconnaît pour son travail? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points d'amélioration aussi? Il y a un point fort, mais lui c'est du mal. Oui, droitier. On est à droitier. Il y a un point fort et un droitier. Voilà. Parce que nous, coup d'amande avant de gagner, à bien droitier. Parce que nous, un point fort est droit. Voilà. Donc lui, ses points forts, c'est le coup des droites. Donc essentiellement, c'est ce qu'il fait. Donc en conclusion pour lui, quel est le bilan qu'il tire de sa participation quand même à cette édition? Il y a une compétition manquée. Il y a fin de mes soirs. Bon. Il a reçu suffisamment de médailles. Le fait d'être deuxième aujourd'hui n'est pas une référence pour lui. En réalité, il n'est pas du tout satisfait du résultat. D'accord, mais donc il souhaite progresser, quoi. Il souhaite aller plus loin. Il dit la boxe, c'est aujourd'hui sa profession. Il est disposé à venir prochainement pour participer aux autres éditions. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors vous-même, vous êtes le coach, dites-nous, voilà, votre propre sentiment.